Hello! Salut bande de moules! Donc voilà! Donc j'ai lancé le truc. Donc à chaque fois on me pose la question, c'est quoi les musiques qu'il y a dans le générique? Putain, j'ai un mal de chien à me rappeler exactement, mais j'ai l'impression qu'il me manque un morceau. L'île Barbarian, Nebulus, ça c'est sûr. Je me demande s'il n'y a pas Antiriade, mais c'est bizarre, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Donc aujourd'hui, donc c'est le quatrième stream sur The Shadows of Sergoth, et puis bah on va commencer à niveau 6 et 7. On va juste terminer le niveau 5 sur lequel il faudrait que je revienne juste pour la sortie, et puis 2-3 bricoles qu'il y a dedans. Je vais essayer de pas trop traîner sur ce niveau-là. Hop là, ah tiens, ça a bougé ça. Bon, j'espère que la connexion va pas être trop pourrie, parce que elle est moins bonne qu'hier, visiblement. Winape a décidé de refonctionner, donc je sais pas pourquoi. C'est vraiment de la merde, des fois, ce truc-là. Ça, c'est bon. Raté. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais bien me remettre en français. Ah oui, voilà, ça, j'ai pas remis en français. Ce truc-là. Qu'est-ce que ça fait chier, que ce soit pas par défaut, là, putain. Ah oui, non, faudra peut-être que je reset. Hop là. Donc il y a des pièces que j'ai pas fini de voir, donc ça se trouve il y a un bout de mur que j'ai pas exploré ou que j'ai pas poussé. Il y a une illusion que j'ai dû zapper. Donc on va bien voir, 1, 2, 3, et la quatrième va durer, tac, et on appuie sur espace. Bon, après, je ferai certainement d'autres streams sur ce jeu-là, parce que j'ai envie de le finir en stream, mais sur une durée plus longue, parce que bah, le boulot va reprendre lundi, donc c'est fini. Les vacances pour streamer comme on veut. Hop, continuer. Disquette numéro 2, j'espère que c'est le tête du fichier. Oh le bruit de merde! C'est vraiment un bruit de merde. Alors la map. Oui voilà, je m'étais arrêté ici. Donc je vais revenir sur le départ. Sur le départ. Et donc c'est parti, je vais essayer de finir à bout de ce niveau 5. Donc c'est par là, me semble-t-il. Voilà, on atterrit ici, tout à fait. On va descendre. Oui, c'est par là. Alors, je crois que la sortie, elle est là. Ou là. Voilà, il y a un interrupteur ici. Tac. Ben si, mais pour retourner dans le haut du labyrinthe, faut que... Par quel endroit je suis obligé de passer? Ah oui, alors là, non, ça fait chier, parce que là, du coup, je vais être obligé de remonter. Parce que là, en fin de compte, ça m'a actionné le portail qui me fait passer au niveau 6, là, dans le coin en bas à gauche.
Donc, alors par contre, tout ça, j'ai fait, j'ai pas trouvé de parchemin, de boule de feu ou quoi que ce soit. Là, je suis arrivé ici. Ok. Par contre, tiens, c'est bizarre. Ouais, ça, je n'avais pas mis en vue, c'est pas grave. Voilà, donc là, je retourne au départ. Et donc, normalement, quelque part par là, il y a cette putain de salle à droite là. Je vais réessayer les blocs de chaque mur. Y a forcément un bout de mur qui doit se pousser, quoi. Ah voilà, putain la vache. Ah bah c'en est un que j'avais pas essayé, quoi. D'accord. Ah bah celui-là j'avais pas essayé. Ah putain, là, il y a le parchemin qui est là. Bon bah franchement, ça aurait été rapide. Parchemin de sort, boule de feu. Bon bah très bien. Donc ça se traduisait comment ça, là, le parchemin boule de feu? D'accord. Alors qu'est-ce que c'est en sort d'attaque ça? 8 à 12 en dégâts de feu. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça nique bien ça. J'ai raté une bannière aussi. Où est-ce que j'aurais pu rater une bannière? Je ne sais pas. Là, si je regarde la map, là c'est pas mal. Là, j'ai parcouru pas mal de trucs. Seulement, il y a un petit coin là qui m'intrigue là sur la droite, qui est encore un peu rempli. Un anneau, c'est pas, je l'ai déjà pris ça. C'est un anneau de résistance au poison, ouais, mais de la conjuration de sort. Je l'ai pas cet anneau-là. Mais je vois pas où est-ce que cet anneau peut bien être. Parce que là, je suis bien dans le haut de la map. Bon, là, il y avait l'épée bâtarde que j'ai pris. The. Et il n'y avait rien d'autre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, les bannières, normalement. Bon, bah, de toute façon, hein, voilà. Je vais ressortir du niveau, parce que je vois pas ce que je peux faire d'autre dedans. Et puis c'est marrant, parce que l'anneau de conjuration, ça ne me dit rien. Je me souviens pas de l'avoir pris. La première fois que j'ai joué au jeu. Bon, là, il n'y a rien. Tu as tout trouvé sauf l'anneau. Donc finalement, pas de peine de le trouver. Ça veut rien dire, cette phrase. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, je suis ici. Oh bah je suis loin, je suis à côté de la fin. Non, l'anneau de conjuration, je vois pas du tout où est-ce qu'il peut être. Parce que je regarde tout de même par terre. Je sais bien que c'est pas très gros un anneau, mais non, là il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. On va passer directement au niveau suivant. Hop! L'anneau de conjuration se trouve derrière le premier mur invisible dans le labyrinthe. Premier mur invisible dans le labyrinthe. Bizarre parce que comment ça se fait que je suis passé devant à ce moment au début du labyrinthe. Moi je veux bien, mais donc c'était au tout début du jeu, alors au tout début du niveau. Que le premier mur invisible,
d'accord qu'il est là. Mais là, moi, je vois rien, là. Là, je vois rien non plus. On vient de passer le premier mur invisible. Là, je vois rien. Oh, merde, quel con. Là, je vois rien. Là non plus. Je vois absolument rien. À moins que ce soit là-dedans, mais j'allais dire, ce serait tordu, mais de toute façon, le jeu est déjà tordu. Donc pourquoi pas. Merde, je sais même plus par où on doit passer. Moi. Oh, c'est chier, j'ai pas envie de me refaire de trop ce niveau-là. J'ai pas envie que ça dure. Là, je vais refaire tous les endroits un par un, mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je vois rien non plus. Je vois rien. C'est bizarre, hein. Là, je vois absolument rien. Je vois rien non plus. Oh putain, je marche dessus là. Ah mais tu m'étonnes, attends, il est de la même couleur que le sol, ton anneau, ouais. Il est de la même couleur que le sol. Donc il révèle les illusions sur la carte. Ouais, alors ça me fait une belle jambe maintenant que j'ai. maintenant que j'ai défait toute la carte. Oui, ah si, d'accord. Si, je l'avais pris la première fois que j'y avais joué à ce truc-là. Oui, je me souviens. C'est donc ça qui dévoile le reste de la carte. Ouais, bah alors du coup, bah ouais, ça me sert plus, ça me sert à rien en fait. Ça me sert à rien finalement. À moins qu'il y ait d'autres illusions dans les autres maps, mais je me souviens plus. Hein. Je me souviens plus s'il y a d'autres illusions. Bon, je me dépêche de retourner au level 6. Je me souviens plus par où il faut passer, moi. Il est par où le bordel, là? Ah, il est par là. C'est un vrai labyrinthe, ce truc, hein. Qui c'est qui m'envoie un texto, là? Wow, du calme toi. Par là. Oh putain, ça y est, je suis perdu dans ce putain de labyrinthe là. Il y aurait eu le sort du Kamehameha là, où tu défonces les murs. Quand un mur t'embête, tu fais un Kamehameha et paf, il n'y a plus de mur. Pas chier avec un labyrinthe là. Tac 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 tac. Oh putain, faut remonter là-haut pour y arriver. Oh la galère. Merde. Non, c'est pas par là. Non. Pouh.
Hop, allez, on retourne au niveau 6 et on y va pour le niveau 6. Voilà, on regarde autour de soi. Il n'y a rien de spécial, on va dormir un petit peu histoire de recharger un peu tout ça. Il y a une cuisse de poulet. Je vais longer les murs, moi. Vilaine bête là. Alors, je vais prendre mon bouclier. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, je voulais prendre le livre de magie plutôt. Prendre le sort boule de feu. Tac. Bon, je suis obligé de manger du poulet en plein combat. Voilà, coup critique, plus 17 en dégâts. L'ennemi est mort. Fais gaffe de ne pas te faire encercler par les blobs. Ouais, bah c'est comme les chauves-souris, ça. Les ombres de Sergoth qui traînent et... Kudos au créateur du jeu. Siski laisse encore mourir de faim les enfants ce soir. Ouais, non, ça dépend. On verra bien. Alors, force, ouais, je vais quand même prendre force, augmenter la force. Alors, technique, je recule d'abord, et ensuite je me déplace latéralement. Voilà, allez, premier essai. Deuxième, putain, va te faire foutre. Et là, il n'y a pas moyen que je ferme. Non. Il est trop accro à mon jeu. Bah ouais, moi, puis dès qu'il y a un jeu que j'aime bien, ça devient obsessionnel. Faut que j'y joue, quoi, sans arrêt, quoi. C'est addictif, hein. Plein de dégâts pour pas un rond là. Je retourne au niveau d'avant. Me recharge au niveau d'avant. Voilà. Ah non, non, j'ai pas passé 1h30 sur le niveau 5, sur le niveau 4 et 5. Une fiole de mana, ouais, c'est ce que si je fais des combats aux boules de feu, c'est plutôt utile d'avoir une réserve de magie quand même. Alors, voyons voir ce qui se passe par là. Il n'y a rien, là, il n'y a rien. Méfiance, on va aller vers le bas, parce que j'ai l'impression que vers le haut, il y a du monde. Ah, tiens, allez. Évitez. Ici, éviter. Putain la vache. Tu deviens la fin stratège de ce jeu. Bah c'est plutôt que de prendre des coups, d'un moment tu réfléchis autrement quoi.
Hop, on recule. Personne. Bon, il n'y a rien du tout ici. Alors, on va avancer tout doucement vers le haut. Je vais en frôler le mur. Hein. On du recul, décale. Ah, ouais, j'ai un tour d'avance. Deux tours d'avance. Voilà, en trois coups, il est nickel le truc. Tu peux attaquer à la paix au bouclier au combat rapproché. Tu aurais plus de défense, tu prendrais moins de coups. Ouais, si normalement, à la base, je faisais ça, en fait. Hein. Là, c'est parce que, voilà, dès que j'ai un nouveau sort, moi, j'aime bien aussi un petit peu m'amuser avec, mais... Ah, une potion anti-faiblesse. Oui, rétablit la force, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'a plus de force si on se fait attaquer plusieurs fois de suite par ce genre de truc. Donc c'est pas du poison, mais c'est un truc anti-faiblesse. Donc oui, quand on se fait empoisonner, en fait, notre force est touchée, et donc tout ce que l'on fait avec une arme de mêlée ne marche plus. Tain, je longe les murs, moi. Hein. Ah. Putain, l'enfoiré. Ouais, tiens, je vais faire un petit coup de ça. Ouais, je prends moins de coups, effectivement. Oh la vache, l'enfoiré! Putain, tout ce qui m'a pris d'un coup, là, connard! Ah putain! Le bâtard! Le gros connard, il me suit ce con. On va essayer de faire ça. Faire ça. De faire. Je vais essayer de le niquer. Putain, la vache, il me suit. Putain, il va me suivre jusqu'où comme ça? J'ai quand même pas devoir retourner en niveau précédent quand même. Mais quel enfoiré de machin, c'est ça, ou alors je perds ma vie, hors de question. Ouais, moins d'attaque. Ouais, c'est pour ça que finalement il est pas mal le sort de boule de feu. Je vais quand même lui balancer des boules de feu dans la gueule quand même. Voilà, waouh. Alors, je vais virer des clés. Hein. Il y a des clés que je vais virer qui sont un peu vieilles. La clé citrine, j'en ai peut-être plus besoin. Hop. Ensuite, c'était laquelle que j'avais pris, la fluorite. On va la foutre là aussi. La zircon, là aussi, je les mets en début de niveau, comme ça au moins je suis sûr que si vraiment j'ai besoin de clés, hop, ça je peux prendre ça, ça c'est pas négligeable pour les saloperies qu'il y a à battre en ce moment. Donc, il est tout doux. Qu'est-ce qui se passe par là? On descend? Ok, on va descendre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouh, en voilà un. Voilà.
Ah, j'ai bientôt monté en XP plus que 1000 et je passe au niveau suivant. C'est déjà bien qu'il ne bénéficie pas d'une attaque d'opportunité. Enfin, il, le monstre. Oh, le monstre, oui, bah, sauf quand on se fait encercler. Là, quand on se fait encercler, c'est foutu, quoi. Hop, on actionne le levier. On prend du recul. Alors, tout doucement. Il n'y a rien. Oh putain, j'ai eu peur, mais eu peur d'un burger. Ça va pas, non? Oh la vache! Il y en a un qui est là. Comment je pourrais faire? Bah non, je lui fais face. Ouais, là, c'est peut-être temps que je mange un petit burger. Putain, mais crève, saloperie! C'est pas vrai, ça! Je peux pas dormir parce qu'il y a des monstres. Et c'est ça, ouais. Je vais dormir là, alors. Le coup en encerclant les chauves-souris, il y avait moyen de s'en échapper, de les aligner un par un. Oui, bah, c'est ce que j'avais fait dans le niveau 2. J'en avais une à gauche, une à droite et une en face. Et je me suis mis entre deux poteaux et je les ai attendus les unes après les autres, quoi. Sauf que c'était que des chauves-souris. Donc quand c'est que des chauves-souris, ça va. Bon là, qu'est-ce que je vais trouver? Attention, déplacement latéral. Ouais, un tour d'avance. Ouais, plus qu'un coup et c'est bon. Voilà. Quel côté je vais me mettre? Je vais plutôt aller vers le bas. Ok, je vais vérifier quand même s'il n'y a pas des saloperies qui traînent par là. Tiens, s'il y en a une là. Une lance, deux, bien. Trois, voilà, tranquille. Il n'y a personne. Ok, bon. J'ai ce grand espace-là de libre. Donc j'ai déjà une, deux, trois. J'ai plein de portes à aller visiter. Je vais commencer par celle du bas. Voilà, celle-là. Ok, bon, très bien. Là, il n'y a rien. Ici. Rien. Ah. Ce coup-ci, je ne me suis pas adossé au mur, ce qui fait que je peux toujours l'éviter en me déplaçant latéralement vers la droite. Voilà. Ouais, c'était cette pièce-là que j'étais en train de visiter. Ah, un burger. Ah, là, je suis content de les trouver, les burgers, hein. Bon, très bien. J'ai encore une porte à aller visiter à gauche. Ah, tiens, j'ai un passage que j'ai laissé en grisé. Pourquoi est-ce que ça notifie partout? Ah, c'est sur Facebook. Oh, je me tape. Donc, hop, on va aller visiter cette porte-là.
Hop, un petit peu de recul. Voilà, pour ça que je prends du recul. Bon, attaque évitée. Éviter. Là, il a un tour d'avance. Deux tours d'avance. J'ai quand même mangé un petit burger là, dans le doute. Il faudrait que je calcule avec exactitude quand on regarde les stats du perso, quand je suis à bloc. Ah ouais, mais le coup critique, en fait, il peut être variable. Ouais, non, donc c'est pas fiable. J'avais une idée en tête, mais non. Ou alors, faut que je prenne quelque chose par défaut au maximum. Hop, ah, petite fiole rouge. Ça peut être utile. On dort un petit peu. Ouh la vache, j'ai été trop vite. Ah, j'ai un tour d'avance. Ah. As-tu crevé, saloperie? Voilà, et puis le pouce bouclier. Il reste juste un coup. Voilà, quand il reste un coup, il faudrait que je change et que je m'équipe avec le bouclier plutôt que de rester sur le sort boule de feu, en fait. Bon, là, il n'y a absolument rien. Ok, là, il n'y a rien de spécial. J'ai encore une porte à droite. On va aller la visiter avant de remonter, d'explorer des endroits dangereux. Hop, on prend un peu de recul. J'aurais dû recharger, moi. Là, j'ai pris un risque. Ah, je me sens bien que j'ai vu un burger quelque part. Hop, voilà. On va essayer de visiter ce qu'il y a dans les sur la partie droite de la map. Un petit peu de recul quand même. Oh la vache, j'avance trop vite moi. J'avance trop vite. Donc là, putain, il m'a niqué 9 points de vie. Hein. Et pour la fin, on va prendre le bouclier et l'épée. Voilà. Là, il n'y a absolument rien. Il y en a un peu plus haut. On avance pas trop vite. Bon. Si je dors à cet endroit-là, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis là où je vais aller. Là, il n'y a personne. Si je dors là, ah, là il me dit vous ne pouvez pas dormir maintenant, ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis sur le côté. Pas loin. Oh, un blob vert. Oh, puis il y a une jolie hache là-bas. Alors, on va déjà essayer de gagner un tour d'avance en lui balançant une boule de feu. Éviter, forcément. Je vais être obligé de... Si, ça c'est bon. Voilà. Attaque réussie. Donc là, il m'a niqué 12 pleines de vie. Effet magique de faiblesse réussie. Donc ça veut dire que ma force est entravée. Alors donc, je peux me battre que par le biais de la magie. Là. Voilà. Et ensuite, je prends une petite potion anti-faiblesse. Voilà, j'en ai toujours une sous le coude comme ça. Et ça me permet de regarder. Parce que si on dort avec ça dans le sang, ben en fait, notre point de vie, on ne se recharge pas. En fait.
Et là, il y a une hache. Alors, elle, ce qu'elle fait, 6 à 10 en dégâts physiques, et là, j'avais 4 à 9. On ne réfléchit pas, là. 6 à 10, et la boule de feu, 8 à 12. Ouais, la boule de feu est quand même vachement plus puissante. Mais en cas d'affrontement face à face, ça sera bien d'avoir la hache. Avec le bouclier. C'est un bon compromis. Alors, voyons voir. Oh, je vais pas sauvegarder tout de suite, là. Là, ça devrait être bon, là. Bon, j'ai une porte à aller visiter ici. Voir s'il n'y a pas d'ennemis par là. Ah, voilà. Tac. Un tour d'avance. Deux tours d'avance. Hache, bouclier. On essaie de l'achever comme ça. Raté. Voilà. Ok, nickel. Bon. On va pouvoir ouvrir cette porte-là, prendre du recul. Personne. Ah. Donc là, on y va. Boule magique. Oh putain. À chaque fois, il faut qu'il les évite, ce con. Hein. Ah, puis là. Je le touche pas une seule fois, hein, ce fils de pute, quoi. Tu peux te battre avec des armes de mêlée quand tu es faible, mais tu touches moins et tu fais moins de dégâts. Oui, c'est pour ça que quand je l'ai déjà touché deux fois avec, avec une arme magique... Le dernier coup, je l'achève avec la hache, quoi. Alors, voyons voir. J'étais voir par là. Non, il me reste à voir la salle qui est ici. Qui a peur d'avancer dans le truc. Ok, il y a juste une fiole qui va être utile. Bon, très bien. Ça avance, ça avance. Et ça avance pas vite, hein. Regarde si je me fais pas suivre. Et de 1. Et de 2. Ensuite. Voilà, très bien. Et on recharge. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux niveaux. Parce que plus on avance dans le jeu, bah, plus les niveaux sont longs à... faire. Ah. En plein. Ouais. Ouh, deux tours d'avance. Et là, je réfléchis pas. Voilà. Ça se passe bien, là. Hop, un petit coup de poulet. Je vais regarder, je ferai les portes en dernier. Ok. Qu'est-ce qui va me tomber dessus là? Rien. Et là? Rien. Pourtant, tu es en difficulté moyenne.
Ouais, alors heureusement, j'ai pas pris le hardcore, hein, tout de suite, parce que bon, faut pas déconner non plus. Ceci dit, mis à part que les chauves-souris tabassaient un petit peu plus que dans les versions bêta, je le trouve assez similaire en termes de difficulté, quoi. Ça correspond vraiment au niveau normal, en fait. Plus simple, ouais, non, mais ah. Et... Bon, qu'est-ce que je fais là? Oh, j'ai du poulet. S'il y a du poulet, tout va bien. Oh merde, putain, j'en ai un qui est là. Voilà, je recule parce qu'il y en a un qui m'a frappé, il est juste à gauche. Ok, c'est l'heure du poulet. Et puis là, anti-faiblesse. Bah ouais, parce que sinon je peux plus. Ouais, mais c'est faiblesse pour la force, pas pour la magie. Et vu que j'attaque avec la magie. Oh la vache, comment il me défonce le truc. Il va me niquer toutes mes fioles. Merde. Ah, oh, puis j'ai plus de magie. Alors là, il faut que je ruse. Oh putain, ils sont deux. Il y a deux blobs. Wow, il me suit plus. Eh. Truc de dingue, ça. Un truc de dingue. Bon, alors là, on va y aller avec le bouclier, la hache, et on va le défoncer, le truc. Putain, la gueule. En voilà un autre. Visiblement, il me suit pas dans le coin, en fait. Là, c'est un pu du cul. Ouais. D'abord la fiole anti-poison. On recharge. Ah, il y a des ennemis. Un peu plus loin. C'est bien foutu, quand même, hein. Les combats sont bien foutus, je trouve. Oh la vache, comment il nique! Ah, puis j'ai pas de sort pour réparer la force. Pour remonter mes points de vie. Je vais voir, hein, je vais tester un truc. Bien. Je vais voir si ça peut marcher. Je vais prendre un sort pour de soins complets. Ça sert à rien en fait. Si, ah, si c'est bon. Ok, bon, heureusement. Je reprends mon sort de boule de feu. Et là. Putain, il veut pas crever. Il a décidé qu'il voulait pas crever le truc, quoi. J'ai bientôt plus d'énergie magique, hein. Alors je vais faire un truc, je vais changer de stratégie. Je vais prendre un sort moins gros, prendre moins de magie. Ouais, voilà. Je vais prendre cette fois-ci le bouclier et ça, comme ça, dès qu'il arrive, il m'attaque. Il va attaquer sur le bouclier. Voilà. Et là. Eh ben, il aurait été coriace celui-là. Hein. Il aurait été coriace celui-là. Hein. Là, c'est le niveau. Oui, ça a commencé à 20h, ouais. C'est le niveau 6. Le niveau 6 commence à être assez coriace. Il n'y a rien des deux côtés. Je suis barré où dans la map? Ah ouais, je suis là. Je vais quand même, avant d'explorer plus loin, voir ce qui se cache quand même derrière les portes. Parce que si je peux avoir un parchemin bidule ou un anti-sort truc-muche, ça pourrait être sympa. Mais non, au lieu de ça, j'ai un blob. Hop, j'ai un tour de gagné.
Un deuxième tour de gagné. Hop, là, je suis pas le malin. La hache, le bouclier. Et voilà, dans sa gueule. Hop, il y avait une autre porte ici. Il n'y a rien. Ouais, il y en veut un autre. Enfin, ouais, non. Ah, raté. Ok. Allez, j'en fais encore une. Voilà, très bien. Ouh, je vois un joli petit parchemin qui correspond à parchemin de sort. Chute lente. Super. Ça va me donner une belle jambe. Donc ça, c'est certainement quand on chute dans les trappes. Je me souviens, ça devait être un truc dans le genre. Il se situe où? Voilà, il se situe là. Donc ça, ça va me servir pas tout de suite. Ça me rappelle la fin du jeu, ça, une fois, je l'utilisais souvent. Donc ça, ok. Ah, il y a un petit coin que j'ai pas visité par là. Ouais, c'est ça. Par contre, j'y vais direct avec le bouclier là, parce que s'il y en a un qui m'attend, voilà. C'est bien ce que je craignais. Donc on y va directement avec la et ça. Ah là, il m'a atteint. Putain, fait chier. Ça m'emmerde par contre à chaque fois ça. Là, je peux pas me recharger, là, je suis foutu là. Là, je suis foutu. Ah, fait chier. Je vais le laisser de côté celui-là, en espérant tomber sur une fiole, un petit poison quelque part, parce que là, je peux pas l'affronter, parce que je suis sûr de perdre. Ah, et puis bien sûr, là, il n'y en a pas. Je vais me recharger en énergie comme tout à l'heure, en fait, en énergie magique. Juste ce qu'il faut pour pas prendre toute ma magie. Voilà, je vais prendre le sort boule de feu. Je vais d'abord y aller avec le bouclier vu que de toute façon il m'attaque direct. Voilà, c'est un moindre mal. Vache, attends, il était coriace celui-là. Oh mince, c'est pas celle-là que je voulais, moi. J'en voulais une anti-poison. Donc là, je vais faire un dodo, mais ma barre de... Tiens. Ah oui, c'est ma force qui a atténué. D'accord, je suis pas empoisonné, je confonds avec le poison. Tiens, salut, Kukulkan. Est-ce que tu as reçu tous les scans et tous les dumps que je t'ai envoyés? Je t'en ai envoyé un paquet là aujourd'hui. Je vais continuer à explorer là-haut. Par contre, ça fait des pratiques moyennes que je fais. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire le niveau suivant. Ou alors je le continuerai une autre fois. Mais je vais y aller directement avec le bouclier et la hache. Et si je me fais attaquer de part en part, hop, tiens, un drapeau. Toujours mieux d'avoir cette protection là à la base. Ok. Il n'y a rien. Ok. Je suis prudent. Hein. C'est pour ça que je vais plus lentement qu'avec que d'habitude. Parce que on ne sait jamais ce qui peut. Se cacher derrière un pilier.
Voilà, donc là on a ça. Par contre, j'ai toute une partie de la carte que j'ai pas visitée. Donc si jamais c'est pour le niveau suivant, je voudrais quand même finir de visiter le reste. C'est bien par là, hein. Ouais, c'est par là. Oui, je suis en train de regarder ma mémoire, je suis noyé. Ah bah ouais, ouais, mais enfin bon, tu vois, c'est pour, je t'ai tout filé d'un coup pour éviter que moi je sois noyé à ta place, quoi. Je t'ai même donné un poster à reconstituer, poster de skateball, que je n'ai pas vu sur CPC Power. Ah, là il y a notre porte. Donc, je longe le mur, voilà, pourquoi il faut longer le mur. Sort boule de feu, évidemment, il évite. Allez, un dernier coup. Ah, vous êtes au niveau 8. Choisissez une stat à augmenter. Alors, j'avais augmenté déjà la force la dernière fois. Je vais augmenter cette fois-ci la dextérité. Après, l'esprit. Donc, tout ce qui est magique, quoique tout ce qui est magique, ça peut être sympa. Ouais, mais là, je rate beaucoup de coups, je trouve. Donc, je vais augmenter la dextérité. Je ramasse ça qui est fort utile, que je vais utiliser de ce pas. Voilà, on va continuer d'explorer. Ok. Ok, parfait. Donc, il y a une petite salle que je vais commencer par visiter ici. Bon, il n'y a rien à cet endroit-là. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il y a donc? Ok. Je l'ai touché deux fois. Je vais prendre l'âge et le bouclier. Putain, il fait chier, quoi. Il y a un truc. Coiffe de maille. Une coiffe de maille. Cool. Plus 2 en défense. Alors, ouais, par contre, il y a un casque de bronze. Alors, lui, il est plus 1 en défense, mais il y a plus 10% de chance d'éviter un coup critique. Alors que lui, il a que plus 2 en défense. Je vais garder ça sous le coude. Je suis pas trop sûr de l'utilité, en fait. Plus 2 en défense. Parce qu'il y a quand même 10%. Le casque a quand même 10% de chance d'éviter un coup critique, quoi. Ce qui est quand même pas mal. Je vais quand même garder le casque et puis au cas où je verrai si vraiment c'est nécessaire d'avoir le truc de maille. C'est con qu'on puisse pas le mettre sous le casque. Ah, il y a une petite partie en bas que je n'ai pas visitée. Ok, là en fait. Merde, alors, va-t-il y arriver?
Ok, il n'y avait rien. Il y a un objet que tu pourrais porter à droite de ta clé, de la clé. Ça te libérerait une place dans ton inventaire. Ouais, mais je voudrais le garder au cas où. Ça, c'est marrant. J'aurais pas imaginé que plus 10% d'éviter un coup critique soit mieux que plus 1 en défense. Ben, je sais pas, en fait. 10%, ça... Je sais pas trop. Je vois pas trop la proportion que ça pourrait prendre sur l'autre. Je vais bien voir, je l'ai jamais essayé. La dernière fois que j'ai joué au jeu, je l'ai pas trouvé ça. Je suis pas tombé dessus. Étant donné que c'est bleu. Donc je vais bien voir. Est-ce que ça peut se voir ça dans les stats ça? Défense 17 sur 17. Est-ce que ça influe? Ou pas? Ouais, défense, là j'ai 16 sur 16 quand j'ai le casque. Donc forcément. Et l'autre il a un de plus. Bon, si ça augmente mes stats de défense, à la limite, pourquoi pas quoi. On va bien voir. Je vais le mettre. Puis si j'ai plus besoin du casque, je le dégagerai à un moment donné ou à un autre. Et puis voilà, j'ai fini le niveau, j'ai plus qu'à aller au bout. Hop. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. Bon, je sais pas si je vais faire le niveau suivant ce soir, parce que ça fait. Enfin, je vais m'arrêter à 30 parce que. Enfin, ça va faire loin. Voilà. Par contre, j'ai toujours ma force qui est diminuée, quoi. Donc voilà. Là, on est au niveau 7. Donc, je vais le parcourir un peu, puis à un moment donné, je vais sauvegarder. Je vais quand même me balader avec mon bouclier, c'est peut-être plus sûr. Ah, voilà, ça, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Tiens, ça évite mon cul, ouais. Ouais, je suis en train d'en prendre plein la gueule pour rien du tout. Hop, on va y retourner avec ça. Arme de mêlée et compagnie. Voilà, forcément, mon attaque, ma force ne va plus servir à grand chose. Absolument que je trouve un anneau qui m'empêche d'être en anti-faiblesse là, parce que c'est super chiant au bout d'un moment ça. Non là je vais pas y aller tout de suite. Là il n'y a rien. Ah là il y a un parchemin. Ah c'est le sol glissant ça tous les coups. Ouais, attention, sol glissant. Ok. Il me paraît long ce niveau-là. Pour le temps que j'ai à faire. Donc là, voilà, on avance une fois et hop, paf, on s'arrête qu'au mur suivant. Donc, d'où l'histoire du sol glissant, en fait. Il faut s'arrêter sur les murs. Là, je vais au drapeau. Mince, on prend un peu qu'une boule de feu. Voilà. On arrive ici. Et je vois pas s'il y a un piège au bout. Ensuite, il faut aller là. Non. Faut aller là. Là, là. Et là. Voilà. Il fallait trouver le bon sens. Alors là, j'ai des bottes d'argent. Plus 2 en défense, plus 20% de chance d'éviter un coup critique. Ça, ça me plaît beaucoup. Hop, on change de pompe. Voilà, et là, il y a un interrupteur. Ah, ça m'ouvre un passage. Super.
Alors toi, t'es vraiment méchant. Pas d'anti-faiblesse, mais un sort à ce niveau. Ce qui est marrant, c'est que Christophe s'est inspiré de mes petits jeux de réflexion pour le sol glissant. Oh l'autre, comment il se la pète. Fred Béziz, salut. Eh ben salut Fred. Fred comment? Fred Béziz. Hop, on va essayer de ne pas se faire défoncer par ce foutu blob. Bon, on se casse. On se recharge en énergie. Hop, on se rééquipe avec une hache et un bouclier, enfin du moins surtout le bouclier. Parce que là, il va m'attaquer direct. Voilà, c'est au moins ça de gagné. Voilà, ouf. Je préfère me balader avec un bouclier et une hache, je sais pas. Ça... Ah, tiens, voilà, il y a peut-être moyen de gagner un coup d'avance. Ouais, tout à fait. Très bien. Bouclier, hache. Terminé. Mort. Ouh, un burger, ça c'est utile. Ça, ok. Oh la vache, j'ai perdu un coup d'avance. Quel con. J'aurais pu. Bon, là par contre, je vais pas faire le malin. Voilà, il vient pas jusque-là. Hein. C'est bon à savoir, l'ennemi ne va pas jusque-là. Hop. Burger, putain, j'ai gâché un burger pour rien. Je vais trop vite. Bon là, le bouclier, bon, ça ne m'aura servi à rien. Bon, qu'est-ce que j'ai pris? Oh la vache, je vais trop vite dans mes manips et je gaspille la nourriture et les fioles. Ok. Un tour de gagné. Oh bah celui-là, il était rapide à éliminer celui-là. Bon, est-ce que je vais pouvoir pioncer moi? Voilà. Si on peut plus dormir tranquille. C'est quand même pratique le système de sauvegarde, là, où on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout du niveau pour sauvegarder notre partie. On peut y revenir quand on veut. Je ferais mieux de me balader avec ça. Voilà, là pour l'instant il n'y a rien. Ah bah tiens, on parlait trop vite. Hop, boule de feu, on y va. Par contre, si je lui envoie un sort. Ah ouais, mais j'ai toujours 6 en force, quoi. Je suis obligé. Très bien. On peut dormir là? Ouais, on peut dormir. Ça se chambre sur le chat. Hop, hop, on reprend ça, histoire d'être tranquille. Là. Est-ce qu'il y a des ennemis? Là, non. Là, oui. Allez, celui-là, on s'en occupe. Et de 1. Et de 2. Pas mal jusque-là. Le dernier coup, je le finis à l'hache. Voilà, terminé. Sale bestiole. Est-ce qu'on peut se reposer là? Ouais, très bien. Oh, ça c'est intéressant.
Parce que là, il n'y a rien. Ouh ! Heureusement que j'étais équipé. Allez, dernier coup avec ça. Là par contre, je vais prendre la fiole. Et puis tant qu'à faire, on va tout prendre, on va lui défoncer la tronche. Voilà. Putain la vache, il y en a vraiment partout. T'en as mis vraiment partout des monstres là. Ça pullule. Et les deux. On le finit à la hache. Voilà. Par contre, là, j'ai aucune stratégie pour me déplacer dans la map. Je sais même pas où j'en suis. Alors, par là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Et là, il n'y a personne. Voilà, c'est une fausse tranquillité quand on a l'impression qu'il n'y a jamais personne. C'est de courte durée. Allez, on finit à la hache. Très bien. Oh, oh, oh. Des fringues. Code de maille. Plus 4 en défense et plus 30% de chance d'éviter un coup critique. Alors ça, c'est très bon. Voilà. Et ça, on laisse par terre. On n'en a plus besoin. Ça, du coup, ouais, je vais le laisser là aussi parce que... Pour le coup, je suis très bien avec ma cote de maille. Non, j'ai fait l'inverse. T. Ah, il y a un blob là. Oh, il est loin. On peut l'avoir de loin, lui. Par contre, j'ai bientôt plus de magie là. Je vais faire autre chose. Avant de me faire avoir. Je peux pas dormir ici. Oh là, je fais chier. J'ai presque plus de magie. Bon, on va tenter quand même. Ah, puis on peut s'éviter. Non, là, j'en ai plus. Je suis obligé d'y aller en bourrin, quoi. Ah, puis là, j'ai plus de force. Obligé de me reposer ailleurs. Oh, puis il me suit ce con en plus. Est-ce que je vais aller pour le... par là? Voilà. Là, il me suit plus. Allez, on va y retourner. Il doit m'attendre quelque part. Voilà, il attendait ici, patiemment. Hop. Et on finit à la hache. Ah, mais j'ai bientôt plus de force, moi. Oh la vache! Ils font chier tes blobs là. Hop! On peut pas encore dormir complètement. Je vais prendre ça. Hop, on va reculer, on va redormir là. On pourrait presque être dans un Wolfenstein 3D. Exactement, moi ça m'avait vraiment beaucoup rappelé par plein de petits détails le Wolfenstein 3D justement. Bon, il me reste encore tout ça comme map à faire. Je vais juste en faire un petit bout, puis après on va arrêter là. Puis je ferai la suite le prochain coup. Quoi. Bon, est-ce qu'il y a un blob dans le coin? Non. Il n'y a plus de blob. Donc, très bien.
voilà un autre. Hop, allez. Raté. Une fois. Et ensuite, on finit à la hache. Voilà, il est mort celui-là. Une petite fiole. Du repos ici. Et voilà. Bon, j'en suis où maintenant hop, ici, ok. Bon, ça fait déjà 1h17 de stream. Bon, ça va déjà être pas mal. Moi, je vais arrêter là pour ce soir. Donc, les niveaux sont de plus en plus longs quand même à explorer. Donc, c'est pour ça que ça prend plus de temps aussi. Et puis, je referai des streams soit en alternance avec Amstrad Chien pour Chien le mercredi. Parce que Amstrad Chien pour Chien, c'est pareil. Le code, moi, ça me prend énormément de temps. Donc, je vais commencer déjà par sauvegarder parce que je voudrais pas me faire avoir. Quitter le jeu, oui. Hop, voulez-vous sauvegarder? Ah bah ouais. Et voilà. C'est sauvegardé. Donc voilà. Donc moi, j'ai allé manger. Qu'est-ce qu'ils disent après, les gars, là? Ça cause le Dark Century. Au fait, je me suis inscrit à la reset. Ah oui, la reset, c'est le truc qui a Coutances. C'est con, parce qu'avant, j'habitais à aller 20 minutes de Coutances. Puis là, je suis beaucoup plus loin. Mais ça aurait été juste pour dire bonjour, parce que moi, j'ai rien à faire à la reset. Hein. C'est quelque chose qui me dépasse un peu beaucoup. Donc, ben moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, puis voilà, quoi. Que dire d'autre? Rien. Donc voilà, donc je vais streamer demain, ça sera le dernier stream des vacances. Je vais streamer le Amstrad Chien pour Chien que j'ai pas pu faire mercredi dernier à cause d'un souci de plomberie, de fuite. C'était d'une urgence, je pouvais pas faire autrement. Et donc ça va être sur le masquage du fond, machin, enfin voilà, rafficher la même couleur que le fond après le déplacement du sprite. Peut-être que si je me démerde pas trop mal, j'essaierai de repiger le coup du XR. Et ça n'ira pas plus loin. Le temps que je comprenne la suite, et ça va me prendre des plombes, parce que je trouve ça super difficile, plus on avance, et plus c'est compliqué à comprendre. Donc je pense que c'est pas mal de faire en alternance donc un Amstrad 100% et un Amstrad Chien pour Chien. Donc voilà, tous les 15 jours je streamerai un ou deux niveaux de Shadows of Sergoth et puis un Amstrad Chien pour Chien en alternance. Ça me laissera 15 jours pour comprendre ce que voilà les cours d'Amori. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, les sprites XR, Christophe, ouais. C'est simple dans le principe, mais si tu veux, voilà, quand je tourne à droite et quand je vais à gauche, mon sprite de gauche efface celui de droite, donc ça efface pas tout. Enfin bref, c'est un véritable bordel. Donc faut que je cogite. Donc voilà. Eh ben, bonne soirée à tout le monde, et puis voilà, demain soir. Ciao.
de cauchemar.